Rentrons dans le vif du sujet en abordant la construction précise de la musique. Et commençons par sa construction de base, à savoir comment elle est agencée selon la place qu'on occupe dans la course. La fonction première donc, de ce jeu-là, parce qu'il faut quand même rappeler quelle est la fonction première, c'est donc une course. C'était ça, en fait, le cœur du sujet. C'était le fait que, bon, eh bien, nous allons passer de sixième, puisque Harold démarre toujours sixième, à premier. Donc, il y a une sensation de progression, forcément. Elle est progression parce qu'on traverse un univers, un environnement, mais aussi de progression parce qu'on gagne en place, en positionnement. Et le grand but, en fait, de la musique, c'est donc de partir bas et d'arriver très haut. Le problème de cela, c'est que comme ce jeu-là, il n'est pas, en fait, dit que ceux qui vont jouer la première fois vont arriver même cinquième, ils vont, s'il faut, rester sixième. Ça veut dire qu'ils vont avoir à entendre la musique du rang 6, de la position 6, beaucoup plus de fois que la musique de la position 1. Et ils vont l'entendre tellement souvent qu'au bout d'un moment, ça peut devenir frustrant de, à chaque fois quand on commence le jeu, on a la même musique qui commence de la même manière. Et à chaque fois qu'on meurt, enfin, globalement, et qu'on recommence, eh bien, on a la même histoire. De même, lorsque l'on meurt et qu'on réapparaît, si jamais, lorsque l'on meurt et qu'on réapparaît, on a toujours la musique qui joue derrière, ça donne pas de sensation de redémarrage, justement. Donc, on s'est dit deux choses, déjà. On s'est dit qu'il fallait faire une musique qui soit pour la position. Donc, position 6 aura une musique, position 5 aura une musique, 4, 3, 2, 1. Et surtout, c'est une musique qui s'arrêtera du moment que le joueur, que Harold, en fait, échouera, donc mourra et réapparaîtra. Quand il réapparaît, il faut que la musique reparte. Mais les outils actuels, et on verra comment, nous permettent de faire en sorte d'éviter la répétition, de sorte à ce que justement le joueur ne sache pas exactement comment la musique va repartir, pour que justement il soit un minimum surpris et que justement ça donne ce côté engageant et pas ce côté répétition, je sais comment ça va arriver, je viens d'être frustré, je repars, je sais ce qui va se passer. Donc voilà. Donc maintenant, on va écouter par exemple. Donc très simplement, Beach, donc un univers plutôt, on va dire, de plage. On imagine les beaux blonds avec leurs guitares et les belles filles avec leurs harmonicas, je ne sais pas. Et voici ce qu'est la musique quand on est sixième dans Beach.